À toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bonjour Catherine. Alors, n'hésitez pas, dès que vous arrivez, à mettre un petit mot en commentaire, comme ça je sais qui est là, c'est quand même plus sympa et plus convivial. Alors, vous voyez, je vois que vous êtes 18, et donc il n'y a que Catherine qui s'est présentée, alors n'hésitez pas. Bonjour Delphine, allez, mettez un petit commentaire. Bonjour Christelle, voilà, génial les filles, c'est trop bien. C'est vraiment hyper agréable de moi, parce que moi je suis toute seule derrière mon écran. Vous, vous êtes une vingtaine là actuellement à me regarder, et je ne sais pas qui est là. Alors voilà, ah génial, c'est bien, vous jouez le jeu, c'est trop bien. Profitez et n'oubliez pas de le faire à chaque fois que vous assistez à un live avec moi. Ça vraiment, ça me permet de savoir qui est là, et puis vraiment de rentrer en interaction avec vous, et pour pouvoir échanger, c'est quand même plus sympa. Ouais, Stéphanie, c'est rare, hein, t'as vu? Comme quoi, le fait de changer l'heure permet aussi à d'autres de pouvoir me voir en live. Et oui, j'ai changé l'heure parce que, comme je vous l'avais dit il y a quelques temps, je crois que c'était il y a une quinzaine de jours, j'ai la chance et l'opportunité de faire partie du comité 2022 de chez Stampin' Up. Et ce matin, j'avais une réunion et j'avais aussi un live sur le groupe spécial démonstrateur, démonstratrices et démonstrateurs pour pouvoir présenter le pourquoi de ce qu'on allait faire et donc je pouvais pas être partout. Bonjour Catherine, bonjour Muriel, bonjour Odile, bonjour... Ah, trop bien, mais c'est génial. Bonjour Christine, bonjour Gigi, Muriel... Oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a comme nom? C'est trop bien, merci les filles de jouer le jeu, à me mettre un petit commentaire quand vous êtes arrivées. Bonjour Christine. Dis Christine, j'ai vu que tu étais déjà là sur le live... sur le coin des démos, overdose de Fanny Scrap. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver et merci de vous adapter au changement d'heure parce que bah, des fois, on a des outils, des petites obligations et ça permet aussi de cibler d'autres personnes. Je suis ravie de pouvoir faire enfin un live et de pouvoir, avec vous, ouvrir ce fameux catalogue. Et aujourd'hui, on va mettre deux produits essentiellement en vedette. Ça va être, devinez, les nouvelles Incolor. Elles sont trop trop belles. Pour celles qui ont reçu le catalogue de ma part, vous avez dû recevoir un petit tag, un petit fanion avec toutes les couleurs, mais vous allez voir, c'est trop beau. Ah, bonjour Valérie. Bonjour Isabelle, mais c'est trop trop bien. Et donc ces nouvelles Incolor, je vous en ai beaucoup parlé sur le mois d'avril. Pourquoi? Pour l'inscription au club d'Incolor. Et aujourd'hui, on va les utiliser. D'ailleurs, j'ai validé la commande pour le club Incolor ce matin. Non, hier matin. Et donc, je vais bientôt... je reviens vers vous rapidement pour les envois. Bonjour Laure et félicitations. Je suis ravie. Ça tombe bien que tu sois là, Laure. Parce que ça me permet d'introduire le fait que, effectivement, ces nouvelles Incolor, elles sont juste magnifiques. Regardez-moi ça, elles me vont bien au teint. Hein. Qu'en pensez-vous? Elles sont magnifiques et en plus, ce mois-ci, Stampin' Up a fait fort parce que soit, j'irais non, c'est pas soit, mais en plus, ils vous permettent de découvrir l'aventure de démonstratrice avec le kit de démarrage, mais en plus ils vous mettent des cadeaux
avec les Incolor. Alors regardez, normalement, si tout fonctionne bien, hop, un petit vu sur le projet. Et donc effectivement, oh bonjour Marie-Jocelyne, bonjour Séverine, oui Christine, un trombone XXL. Vous avez l'opportunité et franchement, n'hésitez pas, faites comme Laure, rejoignez l'équipe des Positives Créatives avec cette super offre. C'est quoi cette offre? Eh bien cette offre, ça vous permet d'avoir 81 € de produits en plus dans votre kit de démarrage tout autour des nouvelles Incolor. C'est trop de la balle. Enfin, vous savez comme quoi je suis impatiente et j'adore partager avec vous mon aventure Stampin' Up et mon engouement pour cette... Ce... Voilà. Comme je le disais encore ce matin lors du comité 2022, qui tente rien n'a rien, mais ça, vous le savez, je le dis souvent, c'est oser. Passez le pas. Je sais que certaines d'entre vous hésitent, et franchement, ce mois-ci, c'est une super offre que vous propose Stampin' Up, et d'autant plus que moi, en tant que votre future marraine d'une équipe qui déchire, comme tu le dis, Stéphanie, vous pourrez avoir l'opportunité de venir à ma prochaine rencontre de lignée qui a lieu début juin. Eh, pas mal, hein? Je vous prévois en plus des surprises, des trucs. Ah, ça va être trop bien. Voilà. Donc ça, c'était important et donc je tiens à féliciter Laure qui a passé le cap et passé de l'autre côté du miroir, comme on dit, dans l'équipe de Solange, une de mes filiales. Et je félicite aussi Delphine qui a rejoint mon équipe et donc notre équipe. Vous savez que c'est une grande famille et donc comme le dit Aurore, ma secrétaire préférée, n'hésitez plus. Voilà. Vous avez une démo, vous avez une de mes filles dans vos contacts, n'hésitez pas non plus, vous serez ravie et vous serez contente de partager cette aventure. Bonjour Florence, bonjour Claudine, et ben, il y en a encore qui arrivent, c'est chouette, et c'est chouette de jouer le jeu, de vous présenter quand vous arrivez, c'est vraiment beaucoup plus agréable pour moi. Alors, comme vous avez pu tricher un petit peu, je vais vous présenter le projet du jour. Ouais, le projet du jour, j'aurais pu faire d'ailleurs. Tiens, petite question qui me vient là tout de suite maintenant. Est-ce que, qui, alors, on va dire plutôt ça, qui aimerait que je fasse un zoom sur l'aventure de Stampin' Up et sur comment devenir démonstratrice et tout ça? Si vous vous posez des questions, si vous avez encore des hésitations, n'hésitez pas. Alors, qui aimerait participer à un zoom d'opportunité sur le fait que je vous raconte, je vous explique comment et pourquoi devenir démonstratrice? Je vous attends en commentaire. Et ben moi, Laure, je suis ravie aussi que tu puisses partager notre aventure et surtout, effectivement, tu as raison, tu as une super marraine. Et donc, si tu es entre de bonnes mains et ça, j'en suis entièrement convaincue. Mais n'hésite pas, s'il y a besoin, je serai aussi là. Alors, qui aimerait? Florence? Oh! Delphine? D'accord. Alors, bah, écoutez, si vous avez envie, eh ben, n'hésitez pas, vous mettez en commentaire Zoom opportunité ou bonne idée. C'est très bien, les filles, votre commentaire, que je puisse après voir qui a répondu et pour pouvoir vous inviter personnellement à ce Zoom. Non mais Laure, il n'y a pas de souci de rien et c'est vraiment avec sincérité que je te le dis, comme je pourrais le dire à Delphine et comme je pourrais le dire aux autres, franchement, n'hésitez pas. Et vous êtes une quarantaine, 45 à me regarder, il y a une bonne dizaine de mes filleules et donc je peux vous assurer que je ne dis pas de bêtises puisqu'elles sont là pour vous le prouver, en tout cas. Et donc maintenant, on passe au projet. Et donc le projet, on va utiliser les Incolor. Parce que ça fait un mois que je travaille dans l'ombre avec les Incolor et donc forcément j'avais qu'une envie, c'est de partager avec vous. Et donc le projet du jour, il va mettre en évidence donc les Incolor, surtout les papiers design. Parce que vous allez voir qu'avec 5 feuilles de papier design, eh ben vous allez pouvoir faire un mini-album. Un mini-album hyper facile à faire et donc même les débutantes peuvent le faire. Et moi je dis ça, je dis rien, mais pour toutes celles qui veulent devenir démonstratrices et qui se posent la question, qu'est-ce que je pourrais faire
Lors de mon premier atelier, c'est un projet impeccable pour un premier atelier. Pourquoi? Parce qu'il est facile, simple, efficace. Et puis, comment dire, et comment, il met en avant bien les coordinations de couleurs. Alors là, vous avez tous les commentaires des filles de l'équipe qui vous confirment ce que je viens de dire. Et merci les filles de participer lors de ce live, c'est important aussi. Voilà. Et oui, Tata Ginette, c'est notre doyenne, mais qu'est-ce qu'on l'aime, notre Tata Ginette. D'ailleurs, je ne sais pas si vous suivez, la suivez sur Facebook, mais en tout cas, elle nous a fait une super photo pour le lancement de catalogue, où elle s'est présentée avec le catalogue, les cheveux complètement décoiffés, parce que le nouveau catalogue, ça décoiffe, bien évidemment. Et ça, j'adore. Et donc, voici le petit mini-album qu'on va réaliser ensemble, qui est rapide, simple et efficace, qui met bien en avant les in-color et les papiers design. Et vous allez voir, vous allez le kiffer, comme dirait les gens. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas mis de photos, mais vous pouvez très bien mettre des photos ici sur les petits carrés et rajouter des décorations à l'intérieur, bien évidemment. C'est pour ça que je ne l'ai pas fermé complètement. J'y ai laissé de la ficelle à rôti. Regardez cette ficelle assortie au in-color, hein, quand même. Le souci du détail et de la coordination avec un joli nœud, et comme ça vous pouvez mettre l'épaisseur dont vous souhaitez. Pour cela, là j'ai mis 5 feuilles de papier design, mais vous pourriez imaginer en mettre plus ou moins. Et je vais aussi vous montrer comment utiliser vos chutes de papier design pour pouvoir faire une jolie couverture. Et donc ça, c'était les incolores. Et quand vous prenez votre catalogue, que maintenant j'ai le droit d'ouvrir face à vous, et que vous tournez la première page, la deuxième, la troisième, puis vous vous dites, ils sont où les produits? Je veux les voir, je veux les voir. On continue. Et la première, n'oubliez pas les kits, bien évidemment, mais la première collection du catalogue, c'est la collection boutique de thé. Et c'est trop bien. Pourquoi? Parce que cette collection boutique de thé, les couleurs qui sont pour les papiers design sont assorties au in-color. Donc, pas le choix d'utiliser ensemble. Et j'aime beaucoup ces deux tampons et les découpes assorties. D'ailleurs, j'ai continué à préparer des petites choses pour ma porte ouverte le 14 mai. Je me permets de vous le rappeler pour celles qui seraient intéressées. Et vous allez voir qu'on va commencer à l'utiliser aussi aujourd'hui. Ok, Doc? On est parti? Let's go! Je me permets, ah, avant tout, n'oubliez pas que quand vous avez sur votre catalogue en support papier, tous les tampons sont en taille réelle, sauf mention contraire. D'accord? Donc c'est important que vous puissiez voir, et je vais vous le mettre, je vais vous le montrer parce que il y a des fois où pour moi ça me paraît logique, mais c'est pas forcément logique pour tout le monde. Regardez, si je prends la tasse qu'on va utiliser avec les petites fleurs, si je la mets dessus, eh ben c'est parfaitement la même taille. D'accord? Donc vous achetez vraiment ce que vous voyez. Et ça, c'est important. Ok? Allez, let's go. Quoi, Stéphanie, tu veux faire un live? Ok. Attention, j'ai vu, hein. J'ai vu, j'ai vu. Bon, Florent, j'espère que tu es bien installé, que tu as ton petit pied douloureux en hauteur, surélevé, pour suivre ce petit mini-album. Alors, on va commencer par faire l'intérieur, d'accord, de l'album, donc chaque feuille par feuille. Ça va être simple, on va utiliser les papiers design qui font 6 pouces sur 6 pouces, d'accord? Donc, pour une fois, on va travailler en pouces, mais vous allez voir, ça va être hyper facile, d'accord? Donc, je prends mon premier papier design qui est, on est bien d'accord, on vérifie ensemble, qui fait 6 pouces sur 6 pouces, puisque c'est un carré. Ah, pardon. Non, mais moi j'ai plutôt. Non, non, Stéphanie, elle va faire un live. Et donc, première chose, on va marquer un pli. Alors, ce projet, en fait, vous pouvez faire avec toutes les dimensions. L'important, c'est d'avoir à la base un carré. D'accord? Donc, on pourrait faire en plus grand ou en plus petit. Là, je n'ai pas voulu me casser la tête.
J'ai pris la même dimension, d'où l'importance de travailler en pouce. Et effectivement, pour certaines choses, c'est tellement plus facile. Tu as raison, Nicole. Donc je me mets à 3 pouces et je marque un pli. D'accord? Puis un deuxième. Voilà. Ce qui va vous faire une croix classique, comme un plus, comme une addition. D'accord? Et maintenant, je vais tracer une diagonale d'une pointe à l'autre. D'accord? Donc on a bien notre croix et notre diagonale. Je mets de côté 2 petites secondes mon massicot et je vais marquer les plis. Je marque les plis. Donc pour les traits du plus, on va dire que c'est en pli montagne. D'accord? Et en diagonale, c'est en pli vallée, c'est l'inverse. OK? Et après, tout simplement, vous prenez face à vous un carré et vous allez rentrer les deux côtés l'un contre l'autre pour former un autre carré. Ce qui va vous faire une première page. Oh bah dis donc, petite sieste, Nicole, du coup, pour le Lilou, Bilou, pour ton loulou. OK? Et on va faire la même chose sur les 5 feuilles. Donc je reprends mon massicot. Donc là, c'est un petit peu du travail à la chaîne, bien évidemment. Donc on va faire 3 pouces d'un côté, 3 pouces de l'autre. Attention de ne pas vous tromper de lame. Et une diagonale. Je ferai mes plis après. Oui, effectivement, on peut très bien faire une carte sur cette base-là, Aurore. Ouais, je l'avais fait il y a longtemps, c'est vrai. Et du coup, comme quoi la base d'une carte, on peut l'adapter à un mini-album. Donc, toutes les techniques sont bonnes à prendre. Il faut juste les adapter. Bisous, Laure, bonne journée. Et encore bienvenue dans l'équipe. Hop là. Je mets de côté, j'ai bien fait tous mes plis, oui, c'est bon, parce que du coup je bavache, mais faut pas que j'en oublie un. Donc on continue, 3 pouces à la verticale, 3 pouces encore à la verticale, on a fait un quart de tour et une diagonale. Bon, alors, qui aimerait participer au zoom d'opportunité pour devenir démonstratrice? Dites-moi tout en commentaire. Parce que c'est ce mois-ci qu'il faut y aller. Hein. Faut plus hésiter, il hein, faut se lancer. Et même si vous avez déjà tenté l'aventure, parce que je sais que certaines d'entre vous ont déjà tenté et que ça n'a pas marché, il faut aussi des fois retenter. Pourquoi? Parce que quand on retente, c'est comme si on avait fait un brouillon. Donc voilà. Oui, Christine, je crois que j'avais fait une carte, en fait, et c'était à l'intérieur. Bien, ouais, effectivement. Je vais faire tous mes petits pliages. Ça va, je vois que vous suivez bien mes vidéos, alors, si vous vous en rappelez. Ah, hop là. De deux. On continue. Vous avez vu, il y a des petites fleurs. Ou des lignes, ou bien des petits points, ou comme je vous l'ai dit lundi, mais ça y est, j'ai trouvé, hein, c'est du papier à carreaux, du papier style Sharingan's. Voilà, ça restera, je crois, le titre de ce papier motif. Parce que lundi, pendant le live question-réponse, je ne trouvais plus l'expression pour dire papier à carreaux. C'était pourtant simple, mais non. On continue. Mon troisième. Allez. La quatrième. Et la dernière. Avec ma couleur préférée, Tahiti en mer.
J'aurais pu vous donner le nom de toutes les couleurs. Je vais vous les montrer après. C'est ma chouchoute celle-ci, Tahiti en mer. Bisous Janine. Donc une fois qu'on a fait nos 5 pages comme ceci, il va être très important de bien les coller dans le même sens. D'accord? Bonjour Jo. Alors, ce que moi je fais comme repère moyen technique, vous avez vu l'angle là? Je le garde en haut à gauche. Et donc je vais mettre les autres pareil. Alors après, au niveau de l'ordre des papiers, c'est comme vous préférez, d'accord? Il n'y a pas d'ordre vraiment à proprement parler. Attention de ne pas se tromper juste au sens. Parce que si vous vous trompez de sens, c'est la boulette assurée. Hop, non, celle-ci, je vais la mettre devant, comme ceci. D'accord? Maintenant que j'ai bien fait tout ça, j'appuie bien pour bien les plis. Nickel. Et je vais juste avoir besoin de mettre de la colle entre chaque feuillet. Alors, ce que vous pouvez faire, moi, je vais mettre mon ciseau pour pas que ça bouge. Je prends ma colle. Et donc, je mets ma colle, évidemment, c'est la fin du tube. On est neuf, c'est là. Je vais moins galérer. Hop. Hop, là. Ah. Alors là, j'ai pris Scène stellaire, non, Oasis d'orchidée, pardon. Donc je les apprenne du coup, hein, les couleurs. Et je colle avec l'autre. Attention de toujours être dans le même sens, hein. Surtout c'est important. Oui Manu, maintenant je sais que c'est motif tartan. On me l'a dit, mais j'ai pas trouvé l'expression du coup lundi. Et donc j'ai appelé, ça sera, et je pense que ça va rester, le motif Charlingals. Et je pense que... Qui connaît Charlingals? Vous connaissez toutes quand même. Partie des classiques. Mais quand vous verrez ce papier, vous penserez à moi et à Charles. Hop, on continue. Et la dernière. Tahiti en mer, en fait, Scène stellaire. Et hop, on y met. Eh, tu connais quand même, Charles. Hein? Ben oui, on est obligé de connaître. Et voilà. Pour plus de sécurité, pour le moment, je vais mettre mes petites épingles sur les côtés de mon papier pour que la colle prenne bien le temps que je fasse ma couverture et ma page de fin. D'accord? Faire toute ma déco. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais avoir besoin dans du papier blanc et coupe du bois, c'est ça. On va faire deux carrés de 8 cm. Donc, si c'est un carré, c'est un petit clin d'œil aux filles de l'assaut de lundi. Si c'est un carré, c'est que c'est 8 cm par 8 cm. Et ouais, la petite maison dans la prairie. Ça fait partie des obligations, la petite maison à prairie. Donc là, on est bon. Donc ça, ça sera ma couverture, mon devant et mon dos. D'accord? Sur ma chute de papier blanc, je vais faire mes petits tamponnages dont j'ai besoin. Alors, je prends mon tapis, comme habituellement, puisque c'est un tampon en résine. Alors, je ne sais pas si vous, comment vous le faites. Mais Stampin' Up, ils sont quand même super forts. Ils évoluent aussi au fil du temps. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette marque. C'est que avant on n'avait pas les dessins au fond de notre boîte de DVD. Donc, on gardait tout ça. Et maintenant, on a les dessins. Et donc, au fur et à mesure, même, vous pouvez le faire dès que vous l'avez. Hein. Les dimensions, c'est deux carrés de 8 cm horreur. Bah alors, c'est ça. Hein, de... Et donc, vous pouvez les coller directement au fond de votre boîte. Ce que j'aime beaucoup, pourquoi? Parce que comme ça, quand je range, quand je referme ma boîte, je vérifie que j'ai tout. Surtout quand vous scrapez avec les copines ou des fois
Ça peut arriver et c'est pas, comment dire, on fait pas des échanges de tampons, mais il y en a, on en perd un, on en range, il y en a un qui colle, tout ça. Donc moi, à chaque fois que je ferme une boîte de tampons, je vérifie qu'ils les aient tous, comme ça, plus de soucis. Quand je vais à l'assaut, par exemple, hein, mon assaut de scrap. Donc, on va prendre la petite tasse. Je vais prendre un bloc acrylique. Parfait. Je vais prendre mon papier blanc et je vais prendre une des encres. Et j'aime beaucoup l'encre Seine Stellaire. Et je vais faire la tasse. Alors, pour celle, je le rappelle à chaque fois, mais c'est important, de bien tamponner avec la technique du bisou. Surtout pour celles qui commencent le tamponnage, ça permet et ça évite les boulettes et d'en mettre partout. Et je tamponne. Ok? Je mets ça de côté. Je vais avoir besoin aussi, donc, de prendre. Hop là. Les petites fleurs qui sont là et les fleurs. Ouais, c'est ça, on peut garder les plastiques pour d'autres techniques. Et bien sûr, Manu, évidemment. Maintenant, je vais prendre la couleur sorbet sucré. Je vais faire les petites feuilles. Et... Alors, évidemment, on aurait pu faire en d'autres couleurs. Alors, moi, j'aime bien ces couleurs. Alors, je vais comme ceci. Voilà. Vous avez vu ma petite technique, c'est que je vais les tamponner et comme ça, je vais les passer à la machine de découpe tous en même temps. Et comme ça, je vais faire qu'un tour de manivelle. Et comme ça, je vais vous chanter qu'une seule fois la chanson, si j'ose la chanter alors qu'il fait beau. Le dernier. Le dernier, par contre, ça ne sera pas une couleur incolore, c'est une narcisse d'hélice, parce que je ne voyais pas faire des fleurs vertes. J'ai pris les bases en jaune. Voilà, parfait. Oublier. Que vous savez que Stampin' Up a le souci du détail. Le petit citron pour rajouter avec votre thé. Bah Manu, qu'est-ce que t'attends? Cette offre, elle est faite pour toi. Hein. Limite, j'aurais pu la commander à Stampin' Up, cette promotion. Voilà. Donc là, c'était la couleur. La couleur, attention, perruche de parade. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais prendre mes découpes assorties à mes tampons. Je ne les ai pas mélangées comme ça. C'est plus facile pour moi de les retrouver. Là. Je vais sortir. Je vais couper un petit peu là pour pas être gêné dans la machine. Un peu du gaspillage là. Ouh là là, Fanny, 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 Fanny. Des fois, en live, on fait des bêtises. Enfin, des bêtises, c'est pas grave, mais on vous apprend pas à faire des économies de papier, hein, ceci. Alors, ça, on est bon. Les pousses, les découpes. Je prends ma machine de découpe. Je vais placer mon papier avec mes tamponnages. Comme ceci, bien sur ma feuille. Et je vais placer. Oui, Janine, elles sont hyper lumineuses ces couleurs. Elles sont vraiment très jolies. J'aime beaucoup. Donc, je vais placer ma tasse, les petites fleurs qui vont là, les petites, le feuillage, pardon, autant pour moi. Là, le petit citron ou éventuellement une demi-lune. Après, vous pouvez aussi vous en servir comme vous souhaitez. Et on va finir par les dies pour les petites fleurs qui sont là. Et maintenant, alors attention, pas que ça bouge. On sera tranquille une fois que la plaque magnétique sera disponible chez Stampin' Up, mais pour le moment, elle est en cours encore. Elle se fait languir, comme on dirait. Donc là, je pose délicatement ma plaque dessus et je vais tourner la manivelle. Attention, et moi, pour ce temps-là, tournez la manivelle. Et vous, vous alliez où? Ben, vous allez où? Sur ma boutique en ligne pour céder à la tentation des nouvelles incolores de cette magnifique collection. Je retire la plaque, je retire tout ça.
Alors, je vais faire attention de ne pas les perdre. Parce que l'autre jour, j'en ai pas perdu un, hein, parce que je l'ai retrouvé, mais je l'ai cherché longtemps. Lors du dernier live. Hop là. Ah, elle a un peu bougé ma. J'ai été trop vite ou j'ai chanté trop fort. Ça a un peu bougé mon truc, c'est pas grave. Je récupère les petites fleurs. Non, je ne chantais pas dans les bois. Vous alliez sur ma boutique en ligne, soit pour commander, soit pour devenir démonstratrice. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les deux liens dans l'intitulé du live. Je vous les mets à chaque fois. Et si vous voulez qu'on en parle, il n'y a aucun souci. C'est toujours avec plaisir de vous parler. Bon, là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Alors, je vais essayer de rattraper mes bêtises. Hop là. Voilà, impec. Je vais venir mettre une petite bande de colle en bas, là, léger, que je vais coller en dessous. Comme ceci. Je vais prendre mon petit citron. Et le petit citron, en fait, j'ai coupé sur un des traits pour pouvoir faire un petit effet comme ceci. Vous voyez, à cheval sur ma tasse. Comme si qu'il était vraiment au bord de ma tasse. D'accord? Et puis après, on va mettre des petits points de colle. Alors, moi, j'ai testé un petit truc pour les petits morceaux. C'est vrai que. Alors, on ne peut pas encore la commander, Eve, parce qu'il n'est pas encore arrivé dans les. Vous savez, c'est les produits qui sont fabriqués par Stampin' Up, et comme c'est un nouveau produit. Il y a eu un petit peu de retard, hein. Vous savez, avec les cargaisons, tout ça, c'est pas toujours facile. Depuis la pandémie, il y a toujours un petit peu de retard. Donc voilà. Mais j'espère qu'elle va arriver bientôt. Je vous tiendrai au courant, vous inquiétez pas. Hop là. Les deux grosses fleurs et puis les petites, on va les mettre là. Hop là. Voilà. Voilà. Ok, ça c'est bon. Là, on a la déco pour la face avant. Alors, évidemment, ça a collé. Je l'ai mis partout. Ah, Fanny bêtise. Je le mets de côté. Maintenant, faut que je fouine dans mon carton où je les ai laissés partout. Non. Ah, attendez, j'arrive. J'avais oublié que je voulais mes chutes de papier et comme je suis en train de préparer aussi un autre mini-album. Ah, puis il y a le soleil qui va venir nous embêter. Alors en fait, vous savez, vous avez toujours plein de petites chutes comme ça de papier. Alors, on va les utiliser. Et en fait, nos carrés blancs font 8 cm. Si on fait 8... Oui, on a frôlé la boulette, ouais. Si on fait 8 cm divisé par 5 couleurs, ça fait 1,6. Et donc, je vais faire des petites bandes de 1,6 sur 8 pour avoir un petit éventail de toutes les couleurs sur ma page de présentation. Alors, vous voyez, on utilisait tous les côtés. Peu importe si vous choisissez les petits points ou le motif tartan ou le motif Charlene Gals, c'est à vous de voir. Faites comme vous avez envie et ce que vous préférez en fait. D'accord? On s'en fiche. On s'en fiche. Peu importe. 1,6 sur 8 cm. Un dernier en perruche de parade. 1,6. 8. Dis-moi Manu, je suis sûre que mes boulettes elles tombent en qui. Et pour finir, Tahiti en mer, ma couleur préférée. Hop.
Je suis un peu tata, c'est là, je voulais les mêmes motifs, alors je vais faire dans l'autre. Hop là. Et voilà. Maintenant. Ah bah oui, Manu, hein, je me doute qu'on te manque. Ah bonjour Caroline. Et donc on va venir tout simplement coller nos petites bandes de haut en bas. Soit vous faites le même motif, mais des couleurs différentes, soit vous alternez, c'est vous qui voyez, d'accord? Allez, hop là. Et donc là, je vous montre la technique pour faire le devant, mais vous pouvez faire la même technique pour le dos, bien évidemment, avec vos chutes. Je vous rappelle, les petites bandes, c'est 1,6 sur 8 cm. Et que je les colle au fur et à mesure. Donc ça, c'est une super technique pour utiliser vos chutes de papier. Et effectivement, on a de la chance, c'est que les incolores, les 5 vont ensemble. Donc du coup, il n'y a pas de faute de goût, comme vous le précise Aurore en commentaire. Elles se marient bien ensemble. Donc là, c'est bon. D'accord? Je vais venir mettre ma petite tasse ici. Mais attention, ne pas la mettre comme ceci. Moi, je trouve que ça fait plus joli quand on la met en diagonale. Ah, puis j'ai le soleil là. Mais... J'espère que vous voyez bien quand même. Donc effectivement, comme vous l'avez mis Aurore, ça vous fait 5 bandes de 1,6 sur 8 cm. Là, je vais mettre mes mousses 3D. Comme ceci. Ok? C'est bon? Maintenant, comme Stampin' Up. Ah non, Manu! Avant fin mai, sinon tu n'auras pas les nouvelles lignes couleurs. La promo, c'est que ce mois-ci, hein, t'es obligé. Obligé, obligé. Stampin' Up, ils sont trop forts. Donc vous avez le Millimélo de ficelle à rôti à la référence 159,95. Alors je ne me rappelle plus du prix. Mais on va prendre 5 petites longueurs, donc de 30 cm. Mon ciseau, il est là. Et on va en apprendre 2 de chaque pour faire la fermeture de notre mini-album. Et j'adore la ficelle à rôti. Et en plus, quand elle est coordonnée au papier, c'est encore le plus fun. Et c'est hyper économique, mais... Parce que vous avez de la longueur. Vous avez de quoi faire. Allez, Manu. Allez, Manu. Tu n'as plus vouloir venir pendant mes lives. Parce que je t'embête. Je te taquine. Alors, ça c'est bon. Maintenant, je reprends donc l'intérieur de mon mini-album. Rappelez-vous, on a ici le coin, d'accord? Je vais vous montrer en enlevant les petites épingles. On a l'ouverture comme un livre à droite, d'accord? Donc, je vais venir prendre 5 ficelles à rôti, donc une de chaque couleur. Hop là. Que je vais venir coller ici. D'accord? Volontairement, j'aurais pu faire tout le tour, mais je ne voulais pas, comment dire, me bloquer ici sur l'épaisseur de mon album. D'accord? Ah, merci Delphine, c'est gentil. Ouais. 19 euros les 5 bobines, les filles. Et il y a 9 mètres sur chaque bobine. Et donc, je mets
du double face pour bien que ça tienne. Et là, voilà, j'en mets, on va dire, généreusement, parce que ce ne serait pas le moment qu'on perde une des ficelles, d'accord? Et donc, j'en mets généreusement. Et vous avez vu, j'appuie bien pour que toutes les ficelles soient bien prises, d'accord? Par le double face. Maintenant, je vais enlever mes opercules. Il est où mon petit touche-à-tout? Je vais. Le deuxième. Ouais, oui, Caroline, on est bien d'accord. Elle nous manque. Hop là. D'accord? Donc, on fait attention de ne pas mettre ses mains dessus, hein, sinon ça va être la catastrophe. Et on va venir mettre une autre page de couverture dessus, sachant que ici, vous avez. J'ai un trou. On va mesurer ensemble 7,5 cm. Donc vous aurez un petit contour tout autour. D'accord? Donc on va le reprendre, le repositionner. Et non, je vais rajouter aussi un peu de colle. Pour que ça tienne bien. Hop. Et je le mets comme ceci. Voilà. Parfait. Et je vais faire la même chose de l'autre côté avec mes autres ficelles. Une, deux, trois. On aurait pu mettre aussi un ruban, mais j'avais vraiment envie d'utiliser la ficelle puisque c'est en harmonie avec le papier. Et donc avoir ce côté plein de peps. Donc là, je mets comme ça. Je reprends mon double face et je fais le même procédé. Ah, nous, on accepte tout le monde dans l'équipe, hein, les filles. Tout le monde, même les hommes. Hein. Si vous voulez, on ouvre les portes. Il n'y a aucun souci. On n'est pas sexiste. Hop. Et avant. Donc là. Donc on imagine qu'on pourrait faire le même procédé que tout à l'heure. Hein. D'accord? Ok? Mais avant, je vais vous montrer une petite technique toute simple, mais efficace. Comme j'aime vous les montrer. J'attends un petit peu. Je vais prendre le set de tampons que j'aime bien aussi, qui est édition limitée, et je vais utiliser le tampon fait maison, qui est juste là. Je vais prendre. Ah! Tiens, ma couleur préférée. Je vais prendre quelle couleur? Allez, à vous de me dire. Tintintin! Suspense! Le suspense est à son comble. Alors? Aurore, tu triches. Voyez, l'hiver, je suis pas embêtée par le soleil, l'été arrive et du coup, ça y est. Et oui, le Tahiti en mer. Et donc, je prends mon tampon, mon encre, pardon, Tahiti en mer. Je vais l'ancrer, toujours avec ma technique du bisou. Je tamponne. Parfait. Je ne sais pas qui m'avait demandé lors d'un précédent live, mais effectivement, comme les tampons encreurs de chez Stampin' Up! Sont à base d'eau, je peux utiliser mes Stampin' Blend, qui sont à base d'alcool, pour colorier, par exemple, le petit cœur. Voilà. OK? Et la petite astuce que je voulais vous montrer, c'est que quand vous avez, par exemple, j'ai utilisé cette perfo-là, où j'ai un trou, c'est étiquette quelque chose qui est dans le catalogue annuel. Moi, j'ai pas envie de l'avoir en grand, alors je vais tout simplement découper mon papier. Je vais vous montrer une astuce.
En fait, je vais faire comme ceci pour avoir une plus petite étiquette. Je vais faire comme ça, d'accord? Et je vais aussi le décaler. Peut-être pas tout à fait comme ça que je voulais vous montrer, mais donc vous pouvez décaler, voilà, parfait, pour en faire une plus petite étiquette. Ok? Donc ça veut dire qu'avec une perforatrice qui à la base a une forme standard, d'accord? Bisous Aurore et merci. Eh bien, on peut très bien en faire une plus petite. Ce qui va être plus facile pour nous, puisque est moins important pour mettre au dos de notre petit album. Donc j'enlève, comme tout à l'heure, les petites opercules de mon double face. Avec le superbe outil touche à tout et l'outil préféré de mon mari. Le peu de fois qu'il a scrappé, voire une seule fois en live avec vous, et ben c'était son outil magique. Il adore l'outil touche à tout. Hop. On va coller notre petit carré au dos comme ça. Pareil que tout à l'heure. Donc rien ne vous empêche, comme j'ai fait pour le modèle principal, bonjour Lydia, de décorer le dos de votre album pareil que le devant. Et après, tout simplement, avec une petite mousse 3D, je vais vous montrer une petite... Ouais, avec une petite mousse 3D, non, ça me plaît pas là. Il faut que je mette un peu de peps, ça va pas le faire. C'est trop fade. C'est trop fade, ça va pas, Fanny. Fanny, 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 ça va. Je vais prendre une chute. Voilà, parfait. Ben oui, mais j'essaye de recruter des hommes, mais j'y arrive pas. J'essaye, promis. Je sais que j'aime les défis, mais celui-ci, j'arrive pas à le remporter. Et pourtant, ça fait un moment que je travaille dessus. Je vais venir le coller ici. Comme ceci. Et ça va être plus joli maintenant de coller ici, puisque ça va plus trancher que du blanc sur du blanc. Hop là. D'ailleurs, Caroline, ça me fait penser qu'il faut qu'on trouve un moment pour papoter toutes les deux, ça fait longtemps. Là. Les autres également. Hop. Ça, c'est bon. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire un joli nœud ici. Alors moi, l'astuce, je ne peux pas vous la montrer en live, mais en fait, je coince mon album entre mes jambes quand je suis assise pour que ça fasse comme ça. Et comme ça, j'ai les deux mains libres pour faire la belle rosette. D'accord? Hop là. Donc, si vous avez été conquise et conquis par les nouvelles Incolor et par cette fabuleuse nouvelle collection, je vous invite vers ma boutique en ligne. Et si votre commande n'atteint pas les 200 euros, soit elle atteint les 200 euros comme certaines, et ben vous avez les primes créatives, ou soit elle ne les atteint pas et vous renseignez le petit code hôtesse qui est là. Comme ça, c'est moi de mon côté qui cumule les primes créatives. Et au début du mois prochain, vous recevez un cadeau de ma part. Voilà. Et donc, bien évidemment, à l'intérieur, donc ce modèle, c'est pour ça que j'ai pas mis mes ficelles là. Vous pouvez faire autant de pages que vous le souhaitez, autant d'épaisseur que vous avez envie. Et vous pouvez mettre beaucoup, beaucoup de photos. Et bien sûr, ça peut être une belle occasion pour la fête des mères, par exemple, à mettre des petites photos et à glisser dans le sac à main. Je dis ça, je dis rien. Voilà, il ne nous manquerait plus qu'à mettre le petit sentiment, bonne fête maman par exemple, ou bonne fête tout court, ou voilà, ou plaisir d'offrir, et c'est tout. Wally Walou. Alors, qui aime ces nouvelles Incolor? Qui va céder à cette tentation ultime de devenir démonstratrice? Voilà.
Pas de soucis, Caroline, je m'adapte, tu t'inquiètes pas. D'accord? No stress. Alors. Avez-vous des questions? Avez-vous. Ah, Manu. Allez, Manu. Il y a aussi deux, trois hein, qui êtes là en live et qui vous avez envie, vous êtes à deux doigts de sauter le pas pour rejoindre l'aventure. Eh ben, n'hésitez plus. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez envie de participer au Zoom opportunité. Ce serait avec un grand plaisir que je vous y inviterai et on pourra réfléchir ensemble sur l'activité, sur le pourquoi du comment, sur les avantages et les inconvénients et toutes les questions que vous posez. Oui, bien sûr, Claudine, tu peux le faire en plus grand. La seule chose, en fait, pour ce mini-album, c'est qu'il faut que... Moi, j'ai pris des pages de 6 pouces par 6 pouces, mais il faut prendre toujours une base carrée. Donc, tu peux le faire en 20 sur 20, ou si tu as des feuilles 30 par 30, le faire en 30 par 30 cm. Et tu traces un pli à 15 cm à chaque fois pour former la croix et une diagonale. Et voilà. Et une fois que tu as fini, tu mesures et tu fais tes pages de couverture en rajoutant 5 ou 1 cm, 5 mm ou 1 cm de chaque côté. De rien, Valérie. Moi aussi, j'ai passé un bon moment avec vous. J'espère que je vous ai donné envie d'acquérir ces nouvelles Incolores. J'espère que vous avoir donné des idées éventuellement pour la fête des mères, vous avoir partagé ma passion aussi, hein, c'est quelque chose qui est important pour moi, qui vous a transmis aussi mon plaisir et ma chance d'être démonstratrice. Voilà. Oui, parce que ça fait quand même un mois que je travaillais dans l'ombre, hein, et que je continue de travailler dans l'ombre parce que j'ai plusieurs nouveaux projets à vous proposer. Et vous en saurez plus après ma porte ouverte, après le 14 mai, parce que je vous réserve des surprises. Voili voilou. C'est bon? Tout est OK? Ah oui, comme tu le dis, Manu, des bijoux, c'est Nicolas. Delphine, ouais. Tu les aimes? Oui, effectivement, Catherine, tu as raison. Merci de me le préciser. Effectivement, les frais de port sont à 7,95 € alors que sur le catalogue, c'est marqué 5,95 €. Vous savez que les frais de port ont augmenté il n'y a pas très longtemps, depuis le 1er avril, et en fait, les catalogues étaient déjà édités, donc ça n'a pas été modifié. Et je ne vous cacherai pas que j'aurais dû changer moi un par un sur tous vos catalogues, mais que j'en ai envoyé quand même un certain nombre et que j'ai préféré garder mon temps pour vous faire un joli fanion avec plein de couleurs et plein de techniques plutôt que de modifier et de rayer sur mes catalogues le prix des frais de port. Voilà. Mais effectivement, les frais de port sont à 5,95 €. Bah de rien, Florence, de rien, Janine. Merci à vous d'avoir été présente pendant ce live, d'avoir interagi, d'avoir participé. C'est toujours un plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le live questions-réponses. Et attention, le live de mercredi prochain est déplacé. Je ne sais pas encore exactement quel jour, mais pas le mercredi, puisque j'ai l'opportunité d'aller présenter mon activité de démonstratrice et mon activité de scrapeuse chez ma coiffeuse à Saint-Étienne-du-Rouvray. Où toute la journée, je vais proposer des mini-ateliers comment dire, des mini-ateliers pour faire découvrir le scrapbooking et quoi faire avec du papier. Claudine, je ne crois pas. Je vérifie Claudine, mais j'ai pas l'impression que je les ai reçus. Je vérifie après. J'ai mon petit tableau, t'inquiète pas. Ah, j'ai dit 5,95 Caroline. Oh, autant pour moi. 7,95. 7,95 €. Presque 8 €. Voilà. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Continuez à scraper. Faites-vous plaisir. Et surtout, je vous adore. Allez, ciao, bye bye. Bisous. Je vous adore, les filles. Allez, ciao, ciao, ciao. Et n'hésitez pas. Une question, vous venez me voir. Allez, ciao. Je vous laisse en musique. Attention, vous êtes prêtes à swinguer avec Stampin' Up?
Allez, ciao! Ciao, ciao, ciao!